Voilà Patrice Gretten en direct des installations de l'AS Nancy Lorraine, du centre de formation en forêt de haie pour un rassemblement U16-U17. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'objet de ce rassemblement ? Alors on est sur une détection donc U16-U17, une détection qui va permettre de constituer la sélection qui participera au stage Interligue qui se déroulera pendant les vacances de la Toussaint. Là sont rassemblés derrière moi les meilleurs U17 du groupe de DH de notre championnat. Alors justement, comment vous les avez sélectionnés ces joueurs? Comment ils sont évalués tout au long de l'année? Alors ils sont évalués en lien avec leurs éducateurs et aussi en lien avec les observations qu'on en a fait sur les différentes rencontres de DH. À ces joueurs de DH seront ajoutés les joueurs du FCMS de Nancy, 6 au total, et des jeunes de Magny, Amnéville ou Épinal. Donc ces trois clubs qui sont représentés aujourd'hui et hier au tournoi Jean Leroy des sections sportives. Alors parfois on a certains clubs qui ont le sentiment que leurs joueurs passent à la trappe de ce type de rassemblement. Comment on peut les rassurer? Alors on peut les rassurer dans la mesure où ces gamins qui sont derrière moi sont l'élite régionale auxquels on associe donc les meilleurs clubs nationaux. Donc cette année pour les U17 c'est Amnéville et donc les deux clubs pro de Metz et Metz, en sachant qu'effectivement notre souci c'est de faire en sorte que les meilleurs de notre région soient intégrés à cette sélection. Ce qu'il faut peut-être ajouter également, c'est que l'équipe technique régionale travaille sur le long terme avec les éducateurs de nos clubs. Donc en quelque sorte, bien, les détections elles se font naturellement tout au long de l'année. Oui, elles se font naturellement, en sachant que cette sélection, c'est un petit peu la sélection de la deuxième chance, qui vient après la fameuse sélection des U15 qui participe à la Coupe nationale. Et là, on donne la chance à des jeunes joueurs de nos clubs amateurs de pouvoir venir profiter, je dirais, de compétitions de haut niveau au niveau national.